Très bien, nous allons reprendre après, excusez-moi, un faux lancement tout à l'heure. J'ai voulu vous zapper la pause déjeuner. Et nous allons reprendre la séance de l'après-midi avec donc Victor Gisenberg, chercheur au CNRS au centre Léon Robin, et Christian Förstel, qui est donc chargé des collections des manuscrits grecs à la Bibliothèque nationale, et qui vont nous parler le déchiffrement de palimpsestes et de manuscrits endommagés grâce à l'imagerie multispectrale, exemple parisien de travaux récents et en cours. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je remercie vivement les organisateurs de nous avoir invités à ce colloque, où nous avons déjà beaucoup appris. À la différence de la plupart des autres communications, Christian et moi ne parlerons pas du déchiffrement d'une langue, mais d'une série de documents. Il va de soi que les collègues ayant parlé avant nous, nous sont également experts dans le déchiffrement de divers documents, mais ce qui justifie peut-être notre présence ici est que les textes effacés des manuscrits palimpsestes ont posé jusqu'à récemment des difficultés insurmontables qui ont empêché leur déchiffrement intégral et souvent même la simple identification de leur contenu. On appelle palimpsestes des manuscrits anciens et médiévaux dont le texte premier a été effacé pour recevoir un second niveau d'écriture, une forme ancienne de recyclage qui était courante en raison du coût élevé des supports d'écriture et notamment du parchemin. Aujourd'hui, le déchiffrement partiel de ces textes est facilité par l'existence de bases de données et de corpus électroniques, comme en grec le Thesaurus Linguae Graecae. Mais surtout, l'imagerie multispectrale est une technologie émergente qui permet de rendre visibles des traces d'encre invisibles à l'œil nu, et donc de déchiffrer intégralement ces palimpsestes et d'autres manuscrits endommagés. Avant d'exposer plus en détail l'intérêt de cette technologie, je passe la parole à Christian Förstel, qui nous parlera des palimpsestes dans la collection des manuscrits grecs dont il a la charge à la BNF. À l'instar des autres grandes bibliothèques du monde, la Bibliothèque nationale de France possède dans ses collections de manuscrits anciens et médiévaux un nombre important de palimpsestes. Je me limiterai ici dans un premier temps, aux palimpsestes au sens strict, donc c'est-à-dire, comme l'a dit Victor, aux manuscrits dont l'écriture première a été effacée pour laisser la place à une réécriture. Ce sens précis du mot palimpseste est attesté dès l'Antiquité, notamment chez Catulle, Cicéron et Plutarque, et on a même conservé une recette antique qui indique comment l'on peut effacer l'écriture d'un papyrus. Mais je laisse ici de côté la question des papyrus effacés, puis réécrits. Ceux-ci sont en effet relativement peu nombreux, peut-être tout simplement parce que l'écriture s'efface plus facilement sur le support végétal qu'est le papyrus que sur le parchemin, et qu'il est par conséquent plus difficile de détecter un palimpseste sur papyrus, ou alors, deuxième possibilité, parce que le papyrus se prête moins à l'effacement de l'écriture. Quoi qu'il en soit, les palimpsestes reconnus ou reconnaissables comme tels sont beaucoup plus nombreux parmi les manuscrits sur parchemin que parmi les papyrus, et c'est par conséquent cette dernière catégorie qui nous intéresse ici avant tout. Pour les collections de la BNF, aucune étude d'ensemble des palimpsestes n'existe, à l'exception notable d'une série de 3 articles que vous voyez à l'écran, publiés entre 1887 et 1899, en latin pour le premier, en français pour les 2 autres, par Alfred Jacob, helléniste, paléographe, maître de conférences, puis directeur d'études à l'École pratique des hautes études, articles qui sont consacrés aux palimpsestes grecs, ou plus précisément aux palimpsestes conservés dans les différents fonds grecs de manuscrits, de la Bibliothèque nationale. Alfred Jacob décrit 57 palimpsestes sur les quelques 5000 manuscrits grecs que comptent les fonds grecs de la BNF. L'étude d'Alfred Jacob est pionnière par sa volonté d'appréhender l'ensemble des palimpsestes contenus dans un fonds important de manuscrits. Mais des palimpsestes particuliers ont fait l'objet d'études bien avant le 19e siècle, bien avant la fin du 19e siècle. Les études les plus anciennes portant sur des palimpsestes de la BNF remontent en effet à la fin du 17e siècle. Et le 19e siècle lui-même est marqué par un fort intérêt pour les palimpsestes, un intérêt hélas destructeur, puisque le seul moyen pour faire ressortir l'écriture inférieure d'un manuscrit palimpseste dont disposaient les philologues du XIXe siècle était l'application d'une solution chimique
qui provoque la détérioration rapide du parchemin. Voici l'exemple du célèbre Codex Ephraemiri Scriptus, donc grec 9 de la BNF, un manuscrit du XIIIe siècle qui réutilise des feuillets d'un manuscrit biblique du Ve siècle de notre ère. La transcription complète du texte sous-jacent remonte aux années 1840 et est due au bibliste allemand Konstantin Tischendorf. Et c'est pour cette édition que différentes solutions chimiques ont été appliquées sur le manuscrit. Vous voyez les effets que ça produit sur le parchemin. Pour novatrice qu'elle soit, l'étude d'Alfred Jacob est aussi et surtout largement dépassée de nos jours. Ne bénéficiant d'aucune aide particulière, je pense notamment à l'absence d'éclairage spécifique et précisément à l'absence d'un éclairage ultraviolet, ne disposant pas non plus des instruments de travail que nous avons de nos jours, Alfred Jacob se contente en général de décrire le palimpseste en quelques lignes et ne propose que rarement des identifications nouvelles de textes. Plus d'un siècle plus tard, un nouvel état des lieux s'impose, et nous avons donc le projet de rédiger un inventaire des palimpsestes grecs de la BNF. Cet inventaire pourra s'appuyer sur des technologies numériques récentes que Victor Gisembert vous présentera dans un instant. Il bénéficiera également, les deux sont bien sûr liés, d'une sorte de renaissance du palimpseste, si on peut dire, qui a débuté vers la fin du siècle dernier et se prolonge aujourd'hui et qui a d'ores et déjà produit des études dont quelques-unes concernent de façon ponctuelle les collections de la BNF. Alors, un exemple, le projet Palamedes, conduit par les universités de Göttingen avec Félix Albrecht et de Bologne-Ravenne avec Chiara Farajana di Sarzana, en collaboration avec la BNF. Ce projet a permis la reproduction multispectrale intégrale d'un palimpseste exceptionnel, le manuscrit grec 1330 de la BNF, un recueil de droits canons et de textes ascétiques de la seconde moitié du XIIIe siècle, dans lequel ont été remployés des feuillets provenant d'au moins trois manuscrits plus anciens, tous en écriture majuscule. Les feuillets les plus nombreux, qui sont aussi ceux où le texte inférieur est le plus visible et donc lisible, sont fournis par un manuscrit de la fin du 8e siècle ou du début du 9e siècle, contenant le corpus des écrits du pseudo-Denis l'Aréopagite. Ce texte avait déjà été identifié dès le début du XVIIIe siècle, mais les analyses les plus récentes semblent suggérer qu'il s'agit aussi du manuscrit le plus ancien qui nous soit connu de ces écrits si importants pour l'histoire de la théologie médiévale, notamment. Une thèse de doctorat a d'ailleurs été soutenue l'an dernier sur cette partie dionysienne du manuscrit. Donc, vous le voyez en écriture sous-jacente, à gauche, vous avez la page entière, une page entière, et à droite, un agrandissement. Un autre manuscrit ancien, dont quelques folios ont été réutilisés, contient deux textes patristiques, l'éloge funèbre sur Basile le Grand de Grégoire de Nazianze et une homélie attribuée à Épiphane de Salamine, deux textes patristiques, donc copiés, semble-t-il, au IXe siècle. Le troisième manuscrit source utilisé par le copiste du manuscrit grec 1330 est de loin le plus original et le plus ancien. Là encore, ce sont seulement quelques folios, mais ceux-ci contiennent une sorte de résumé sous forme de diagramme de la logique aristotélicienne, le tout dans une écriture majuscule que l'on peut dater du 5e ou du 6e siècle de notre ère. Alors, vous le voyez peut-être, l'écriture sous-jacente et... Vous voyez peut-être ces lignes du schéma. Ces folios palimpsestes, provenant d'un manuscrit tardo-antique ou proto-byzantin, profane, feront l'objet d'une monographie à apparaître en principe l'an prochain. Mais en dehors des palimpsestes au sens strict, une autre forme de réutilisation de manuscrits anciens doit être prise en compte, puisqu'elle peut elle aussi être une source importante de nouveautés textuelles. C'est celle qui consiste à employer des feuillets anciens dans la confection d'une reliure et plus précisément comme folio de garde. Dans le domaine byzantin, cette pratique est particulièrement courante puisque les reliures étaient refaites assez fréquemment, semble-t-il. Ces folios de garde n'ayant qu'une fonction protectrice, leur contenu n'était le plus souvent pas effacé. Mais ce contenu a pu souffrir de la position que ces folios occupent dans le manuscrit. Voici un exemple parisien étudié récemment, donc le manuscrit grec 2256.
Il s'agit de deux feuillets provenant d'un manuscrit de la première moitié du Xe siècle, réutilisé comme garde dans un codex copié et relié à Constantinople au début du XVe siècle. Comme les folios du codex ancien ont été pliés en deux et qu'une moitié de chaque folio a été collée contre l'ais en bois, contre le plat en bois de la reliure, une partie du texte a été effacée. Or, ce texte est intéressant puisqu'il s'agit des fragments d'une lettre de consolatoire inconnue à ce jour que j'attribue à Théodore Studit, cette figure de proue du mouvement iconodoule à la fin du 8e et au début du 9e siècle. Pour récupérer autant que possible le texte, je me suis aidé de photographies sous simple éclairage ultraviolet. Donc, ces deux exemples que je viens de mentionner sont des exemples du passé, fût-il récent. Dorénavant, une étude plus systématique des palimpsestes et au-delà des écritures difficilement lisibles est à portée de main, grâce notamment à la multiplication des prises de vue multispectrales. Depuis ses premières applications sur les manuscrits de la Mer Morte en 1997, la technologie de l'imagerie multispectrale n'a cessé de progresser pour devenir aujourd'hui un outil performant au service du déchiffrement des palimpsestes et des manuscrits endommagés, quel que soit le matériau du support, et notamment pour le parchemin, le papyrus et le papier. Si l'équipement est relativement coûteux et peu mobile, son emploi permet de créer en quelques minutes un jeu de données brutes consistant en des images du manuscrit éclairées à différentes longueurs d'onde, capturant tantôt la lumière réfléchie par l'objet, tantôt la lumière qui le traverse, et tantôt la lumière réémise à une autre longueur d'onde par fluorescence. La dernière génération des caméras multispectrales dispose de capteurs hypersensibles, c'est-à-dire dotés d'une dynamique supérieure à 16 bits, qui permet de discerner des différences de contraste infimes entre une trace d'encre effacée avec soin, et le support sur lequel se trouve cette trace. Ces capteurs sont couplés à des systèmes de refroidissement empruntés à des satellites d'observation spatiale qui limitent le rapport bruit-signal au strict minimum. Les images brutes produites avec cet équipement sont ensuite traitées par des spécialistes selon une méthodologie esquissée à l'écran. Elles sont combinées entre elles et soumises à des méthodes statistiques pour en extraire l'information pertinente, à savoir l'écriture invisible que les philologues et paléographes peuvent ensuite déchiffrer. Un des charmes de cette méthode de déchiffrement tient d'ailleurs à sa dimension collaborative qui réunit des équipes internationales composées d'ingénieurs, de photographes, d'informaticiens, de chercheurs en optique et en chimie, ainsi que de spécialistes des textes anciens. L'ensemble de ces compétences est en effet nécessaire pour parvenir au résultat espéré, à savoir la découverte et le sauvetage de textes anciens demeurés inconnus jusqu'à aujourd'hui. À l'aide des financements de Sorbonne Université et de la mairie de Paris, notre petite équipe a ainsi pu recouvrer depuis 2020 plusieurs textes qu'on croyait irrémédiablement perdus. Ici, vous voyez les principes de l'imagerie multispectrale, donc qui consiste à éclairer à différentes longueurs d'onde, parfois des longueurs qui échappent au spectre visible par l'œil humain. Et sur la droite, vous voyez comment la lumière peut interagir de différentes manières avec le manuscrit, parfois en étant réfléchie, parfois en étant réémise par fluorescence ou en traversant ce manuscrit. À titre d'exemple de ces découvertes, un célèbre palimpseste, connu sous le nom de Codex Climaci Rescriptus, a révélé en 2021, au cours d'un épisode de confinement, les seuls fragments connus du plus ancien catalogue d'étoiles de l'histoire de l'humanité, composé par Hipparque de Bithynie au IIe siècle avant notre ère. Voilà des siècles que les érudits cherchaient en vain ce catalogue. Vous voyez à l'écran un passage du texte qui indique l'extension est-ouest et nord-sud de la constellation de la couronne boréale. Ici s'affiche une des images que nous avons pu utiliser, sur laquelle en rouge apparaissent certains des caractères que nous avons ensuite pu décalquer. Ces nouveaux fragments
dont la découverte a d'ailleurs été signalée par de nombreux journaux, offre des perspectives insoupçonnées sur les débuts de la grande aventure humaine de la science en nous renseignant sur la manière dont travaillait Hipparque, sans doute le plus grand astronome de l'Antiquité, ainsi que son successeur Claude Ptolémée. En 2020, nous avons justement pu recouvrer, dans un palimpseste milanais rendu illisible par les produits chimiques, un texte qu'on croyait perdu de Claude Ptolémée, dans lequel il décrit un instrument astronomique de sa conception, appelé météoroscope. Il s'agit du plus ancien texte conservé qui soit entièrement dédié à la description d'un instrument scientifique. Grâce au déchiffrement du texte, nous avons pu reconstituer l'assemblage de l'instrument que vous voyez à l'écran et une partie de son mode d'emploi. Malgré leurs patients efforts, les érudits, et notamment le célèbre historien des mathématiques Johann Ludwig Heiberg, n'avaient jamais pu identifier ce texte ni en déchiffrer plus de quelques mots. C'est uniquement grâce à l'imagerie multispectrale que cette découverte a été possible. Un dernier exemple de découverte plus récente encore, lui aussi parisien par l'implantation de l'équipe, sinon par le lieu de conservation du manuscrit. En mai 2022, nous avons pu identifier dans un célèbre palimpseste latin de la bibliothèque capitulaire de Vérone, à côté de trésors déjà connus, comme le plus ancien commentaire au poème de Virgile, des fragments inconnus d'un texte platonicien qui nous révèle la manière dont les dialogues de Platon étaient lus par les élites du Haut Empire romain. Le plus remarquable dans cette découverte est l'état de conservation déplorable du manuscrit, qui a souffert, peut-être plus que tout autre, des traitements chimiques destructeurs auxquels Christian a fait référence. Vous voyez en haut une image couleur, et donc l'état de noirceur du support de texte, et en dessous une image, une des images traitées dont nous disposons aujourd'hui. Et ici, à titre d'exemple, le décalque de deux lignes sur cette image traitée. C'est sans doute pour le déchiffrement de ces palimpsestes sinistrés que la technologie multispectrale présente encore la plus grande marge de progression, car le problème des réactifs chimiques était considéré comme insoluble jusqu'aux récentes avancées dont je vous rends compte. Enfin, j'en viens à un exemple tiré des collections parisiennes de la BNF, le supplément grec 921. Ce palimpseste est célèbre depuis plus d'un siècle, quand Albert Séverins en a découvert le texte effacé et a montré qu'il appartenait à la collection philosophique, un ensemble de manuscrits savants produits au IXe siècle dans l'entourage de l'empereur byzantin à partir des meilleurs manuscrits disponibles. Un véritable fleuron de la philosophie grecque à Byzance. Depuis l'identification par Séverins, le texte était resté pour la plupart illisible. Mais les campagnes d'imagerie effectuées en 2020 et 2021 ont permis de déchiffrer quasiment l'intégralité du texte. Gert van Riel, de l'Université de Leuven, en a fait trésor dans sa récente édition critique du commentaire de Proclus au Timée de Platon. Donc le texte effacé s'affiche ici en gris, sous le texte tantôt noir, tantôt blanc de la couche supérieure. Et on en peut lire donc l'essentiel. De nouvelles images que j'ai reçues en début de semaine, de cette semaine, me laissent espérer pour bientôt le déchiffrement complet des 4 pages qui nous manquent encore. Et vous voyez ici à l'écran un passage qui est entièrement absent des autres manuscrits, révélant une lacune qui résulte d'un saut du même au même, comme on dit en paléographie. Tout le texte transcrit en gras était absolument inconnu jusqu'à aujourd'hui, et il a été en fait sauté par les copistes ultérieurs à cause de la ressemblance entre le début du passage Hos de noeto et la fin du passage Hos de no. C'est ce qu'on appelle un saut du même au même. Ce nouveau passage révèle un élément de théologie platonicienne entièrement ignoré en décomposant les différentes manières dont le bien se trouve dans le démiurge qui est supposé avoir créé le monde. D'un point de vue historique,
Ce passage prouve en outre que le palimpseste de Paris est soit l'archétype des autres manuscrits conservés, et tous plus récents, soit le seul vestige d'une traduction textuelle entièrement indépendante, et donc, en tout cas, un témoin inestimable du texte originel. Enfin, sur cette dernière diapositive, vous voyez une note marginale par un lecteur que nous n'avons pas encore identifié et qui pourrait éclairer l'histoire énigmatique de cette prestigieuse collection philosophique, si on en pouvait identifier la main, puisque certains manuscrits semblent avoir disparu de la circulation pendant plusieurs siècles avant de faire surface à la Renaissance dans différentes bibliothèques d'Europe de l'Ouest. Appel aux spécialistes si vous reconnaissez ce scribe. Pour conclure, sauf imprévu, une nouvelle campagne d'imagerie multispectrale aura lieu à la BNF en 2023. J'ai bon espoir qu'elle fera ressurgir de nouveaux trésors encore enfouis dans les nombreuses pages qui ont résisté à nos efforts et à ceux de nos prédécesseurs. L'imagerie multispectrale n'a encore été appliquée qu'à une infime fraction des manuscrits palimpsestes et endommagés et des folios de garde conservés à la BNF ainsi que dans de nombreuses autres bibliothèques, petites et grandes. J'espère vous avoir montré l'intérêt de cette technique et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Évidemment, ça ne peut faire que rêver ceux qui travaillent sur des manuscrits anciens ou des papyrus et parfois... effectivement, nous avons des palimpsestes aussi, et qui sont, malgré l'infrarouge, encore difficiles à lire. Et je suppose que c'est des techniques qui sont magnifiques. Et je sais que des collègues l'ont expérimenté sur des papyrus carbonisés de Tanis qui sont conservés à Oxford, et ça donne de très beaux résultats, en effet. Malheureusement, en Égypte, vous l'avez dit, c'est difficilement... C'est quelque chose de particulièrement difficile à déplacer, donc on n'a pas forcément tout on n'aura pas espoir tout de suite de pouvoir l'utiliser, je pense. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vois là. Est-ce qu'il y a la possibilité de recherche de l'ADN de scribes ou des scribes à travers ce type de... C'est-à-dire, pas seulement s'intéresser à l'écriture, mais aussi aux scribes qui ont... transmis cette... C'est une très bonne question, je comprends bien ce que vous voulez dire. Malheureusement, les scribes déposent assez peu de traces d'ADN, et qui plus est, les manuscrits ont eu de nombreux lecteurs entre-temps, dont les traces ADN se mélangent à celles éventuelles d'un scribe. En revanche, ce qui est possible depuis peu, c'est d'analyser l'ADN des peaux de bêtes qui constituent les parchemins. Et ça, historiquement, c'est très intéressant pour savoir l'histoire de la production de parchemins et aussi des choses beaucoup plus générales sur les épidémies, par exemple, animales dans telle ou telle région, enfin des phénomènes historiques très intéressants. Vous connaissez l'effort actuel sur les peintures de Leonardo da Vinci, où il y a un effort de séquencer son génome à travers ses peintures et le microbiome qu'on peut trouver sur ses peintures. Donc, pourquoi pas envisager dans une dizaine, vingtaine d'années aussi de séquencer le génome des scribes? Parce que les peintures ne sont pas manipulées par leurs spectateurs de la même manière que les livres sont feuilletés. Effectivement. Bonjour. En fait, je voulais savoir, vous l'avez peut-être dit, j'ai peut-être raté quelque chose, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut utiliser cette méthode sur des documents qui sont enroulés et qu'on ne peut pas dérouler, et ensuite avoir une vue globale, en fait, sur des papyrus, par exemple, ou autres documents? Alors, effectivement, c'est quelque chose dont on rêve. Il existe des techniques, comme la tomographie, qui peuvent être appliquées, qui sont importées de l'imagerie médicale et qui peuvent être appliquées à ces papyrus, notamment les papyrus carbonisés d'Herculanum qui sont impossibles à dérouler. C'est quelque chose dont s'occupe par exemple Daniel Delattre en France et qui finira par donner des résultats. Oui.
Mais votre méthode à vous, non, c'est pas possible. C'est pour l'instant. Nous, il faut que ce soit déroulé. Oui, d'accord. Ok. Merci ça beaucoup. Ça ne traverse pas des couches épaisses de matériaux. D'accord. Merci. Oui, alors juste une simple question. Dans le cadre de votre étude, vous avez été amené à travailler sur des documents organiques. Est-ce que l'imagerie multispectrale fonctionne également sur des supports minéraux, céramiques ou pierres? Est-ce que le même type de technique serait applicable pour des inscriptions sur fragments de céramique, fragments rocheux ou pas? Est-ce que vous avez été amené à le tester ou pas? Est-ce que vous savez si par ailleurs ça fonctionne bien ou pas, si le matériau minéral permet ce genre d'action ou pas? Eh bien, à titre personnel, je n'en ai pas fait l'expérience, mais j'en parlais à la pause avec Stephen Houston, qui a l'habitude de faire ça sur les inscriptions mayas en pierre, si j'ai bien compris. Donc il pourra peut-être vous en dire plus. Et puis c'est effectivement des approches qui sont très fréquentes sur les objets d'art, les peintures par exemple. Donc ça donne des résultats sur toutes sortes de matériaux inorganiques, oui. Merci beaucoup.